Yolo les Blaze, c'est Blaze en balade, j'espère vous êtes prêts pour la live enflammée. Aujourd'hui, je ne vous révélerai pas ça, car ce serait quand même deux semaines et quelques semaines. Aujourd'hui, nous jouons à Phasmophobia comme tous les vendredis et... Bah non, pas comme tous les... tous les vendredis, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas décidé d'envie de faire des choses casse-tête. C'est énervant. Nous faisons juste du fun. Je veux savoir si ces qui sont toujours collés. Je suis trop sympa. Live. Bégayer, c'est pas. On va faire genre que ça. Les zombies live. Coucou Polola, comment tu vas? C'est la prochaine fois que tu me coupes. Très bien, la prochaine fois que tu coupes. C'est un problème. Mais. Tu m'entends là? Tu t'entends? Ah merde. Non, je voulais savoir si les qui sont encore collés. Alors, j'ai rien touché, la balle est là. T'es pas collé. On verra après un fantôme. Non mais je suis l'autre. Ah. Attends, viens, je prends une quille, je la mets, et tiens, prends la balle. Attends, là, je te vois personne. Bonjour, il faut le dire, comment tu vas? Tiens, oh là là, voici le code. Prends la balle, lance ça sur la quille pour voir si elle est collée. Oh, elle a tremblé. Quoi? Mais j'ai ma POE, elle était tombée. Non, elle a tremblé. Ah là, elle est tombée. Ok, Polala arrive. Je regarde mes missions en attendant. Donne. Lâche. Bouge ton cul. Lâche. Là, bouge. Lâche. Bouge. Non, lâche. Oh, spirit box. Reviens, lâche. Quotidien, microphone parabolique, survivre aux chasses. Objectif, os. Oh putain, je. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. La forme? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Dès que j'ai gagné du live, faut juste. Je mets mes objets. Parabolique. Petite chaîne. Faut jamais te faire. Ouais, c'est bon. Ah, t'avais oublié que t'étais pauvre? Ouais. J'ai vite oublié. Ah, c'est dit. Moi, j'ai 320 dollars. Ah, mais vous êtes tous pauvres, ma parole! T'as combien? J'ai 8000. Wesh. J'ai 8200. J'ai 7934. Ah oui, donc en fait le plus pauvre pour l'instant c'est Polala. Il y a combien? Il a dit qu'il avait 200, 400. Ah ouais. J'ai tout dépensé. T'as tout dépensé en quoi? En dommages et intérêts? Moi aussi. Y'a moyen. J'ai fait une game night war avec des bots, mais 10 morts. Oh non. C'était un démon. C'était un démon en plus? Mais pas de chance. Ah bah ça, en termes de pas de chance, ça je confirme. J'ai jamais vu ça. Dès qu'on est arrivé, il a chassé. Il a chassé 10 fois d'affilée. Il ne savait pas laissé de pause. Mais c'était en quelle difficulté? Cauchemar. Ah d'accord. Mort. Ouais, du suicide collectif, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Tout le monde s'est groupé au même endroit. Venez, c'est un suicide collectif. Venez, vous avez pas le choix. Je me disais aussi, c'était trop bizarre que ça ne soit rien. Du coup, moi, je suis prêt. Voilà, je suis prêt. Ah, c'est moi d'autres, c'est pas vrai. Ah, j'en ai marre, il oublie qu'à chaque fois qu'il y ait l'autre.
Je vois qu'il y a des pompes de temps. Walter Martin. Il y a quand même une photo, bougie, apparition. C'est bien reçu. Quoi, il y a eu des instructions là ? Des cartes. Ah, j'ai pas entendu, gros. Ils ont fait une photo ou pas ? Là j'ai 3,5. 2,8. Il a touché ou pas? Il est actif. Oui. Ouais, il est actif pour l'instant. Me dites pas qu'il a ramené à la malédiction du démon. 2,4. 2,7. C'est ici, hein. 1,8. Ouais, c'est garage. Il y a clairement un garage. Il y a eu MF5 aussi. Ah, il y a eu MF5. Comment il y a eu MF5? Il y a eu MF5 ou pas? Je suppose qu'il est sous-sol. C'est une apparition. Ouais, je sais. Je sais pas, j'ai l'impression que Paulala avait fait de la buée. Non, c'était un fantôme, j'ai une interaction. La bug. De temps en temps, quand Paulala parle dans la radio, je l'entends pas. Ah ouais, bon. Ouais, de temps en temps, du coup aussi. J'ai monté à 70, ça va plus. J'ai mis à 100%. Peut-être que je suis en train de foutre un mot depuis tout à l'heure. Est-ce que t'as vu un dot passer ou pas? Ah non, j'ai pas vu moi.
vous. Spirit Box, il veut que je crève. Pas Orb. C'est pas Orb ni Empreinte. Walter Martin. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. On l'entend direct. Walter Martin, donnez-nous un signe. Si tu veux, ça sera pas en train. Ah ouais, ça peut être écriture aussi. Ouais, ça peut être écriture. Ah, il m'emmerde, il peut rien. Walter Martin, je sais que c'est juste que chez vous, mais quand même, c'est pas respectueux. Hein. Il y a d'autres? Non, non, il y a pas. Pas de d'autres? Ouais, il y a un simple, il y a un simple. Ah là, ça sonne. Hein. Ok, il y a pas chassé. Il y a pas chassé. Le fantôme, je sais pas, je vais le prendre en photo. Walter Martin, écrivait dans le livre. Fantôme, ouais. Arrêtez une bougie. Ouais, on est encore en plus tout à l'heure. Walter Martin, écrivait dans le livre. Apparaissez, faites quelque chose. Manifestez-vous. Martin, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. Manifestez-vous. Ouais, bah ça, j'ai compris, t'adores jeter des choses. Jeter des choses. Ça pourrait être les jumeaux. Hein. Ouais. Martin, êtes-vous des jumeaux? Si ce n'est pas le cas, écrivez dans le livre s'il vous plaît. Ça sonne, ça sonne. Walter Martin, écrivez dans le livre. Apparaissez, faites quelque chose. Martin, écrivez dans le livre. Walter Martin, écrivez dans le livre. Walter Martin, écrivez dans le livre. Écrivez quelque chose, n'importe quoi. La double photo. Let's go. Attends, j'ai une os. Je sais pas non plus, on l'a pris en même temps. Non, en même temps, j'ai pas. L'attaque. Vite.
pas écrit. Je pense que ça pourrait être écriture. Si on fait écriture, ça peut être esprit. Et l'esprit, il a dit, il dit clairement que c'est un esprit actif, mais passif, et qu'il attaquera seulement s'il est obligé. Du coup, essayez de forcer sur lui. Ça attaque, il y a une cachette dans la Blue Bedroom. Dans la chasse. What the fuck, t'as 17% et pour la lock, on a 27. Jumeau aurait déjà attaqué beaucoup plus violemment, beaucoup plus rapidement. Alors attaqué deux fois d'ailleurs, hein, d'affilée, hein. Paf paf. Pas fait ta biographie, il a fait une grosse tâche. Une écriture. Du coup, c'est l'esprit, hein. Je l'avais entre guillemets prédit. C'est quoi les cartes? Quoi? J'ai quelqu'un qui crève? Ouais, effectivement. Moi ça me dérange pas, hein. J'ai fourni mon PayPal, hein. On est tous sortis. Je prends. Vas-y, tiens alors.
Soleil. Lune. La lune. Et full. Soleil. La tour. Ouais, ça fait ouais, c'est à toi. Mais ça fait quoi comme flamme? Tac, allez vite vous cacher. Vous groupiez-vous comme des pingouins. En décomposition très avancée. Il est dans tes yeux ou quoi? Il est plus? Ok, pardon. Vas-y, je me casse, pardon. Ah, t'inquiète pas, il m'a gueulé dessus. Ah non, mais ça marche pas. Hein. Vous me prenez pour un débutant ou quoi? Non! Non mais tu vois, au cas où dans la fracture de 2 secondes qu'il attaque. Ah ouais, au cas où. J'ai 67%. Mec, il y en a 0. Ah oui, j'ai eu le soleil et la lune après. J'ai eu la lune, tu m'étonnes, j'ai plus rien. La lune, ça me fait baisser 50% en rapport de ta flamme. Moi là, c'était grise, j'ai tout niqué moi. Je suis vivant. Tout le monde est vivant. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Bon, bon, ton pneu est professionnel. Professionnel? Ouais. Moi, je suis chaud, hein. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai pas peur, hein. Attends, du coup, les qui est-ce qu'ils sont collés? Ah oh, bah ouais. Ah ouais, ça rage de il a collé les quilles. Non, je suis mec des fêtes foraines là, tu vois, c'est la trappe pigeon. Ouais, la trappe pigeon, ouais, tu colles les quilles. Ouais, c'est ça. Tu mets de la gorillaise. Spirit Box, c'est découvrir l'esprit, putain. C'est que $25. Et alors, c'est quand même ça. Hein. Ça fait de la thune en plus, hein. Moi. Exactement. Alors c'est pour moi, je regardais les cartes en mode intéressant et paf, pop-up. Oh bonjour. Jessica Mills, trouver de preuves paranormales de Clutter MF, bougie et bâton dansant parce qu'il cherche quelqu'un.
Capteur allumé. Négatif. Oh, tu vas t'amuser avec ? Faire la dinette. Donnez-nous un signe. Ouais, on a quand même pas mal de cassettes, ouais. Ah. Ah, j'ai cru voir une empreinte. Il y en a dedans. MF5 1,2. Ouais. Il est dans le garage. Avec la poupée voodoo. Bah, c'est sa poupée. Hein. Moi, je préfère mieux pas avoir des problèmes avec elle. Hein. 0,1. 0,4. Ah, on va voir la température glaciale là. C'était la dernière fois. Mais c'est peut-être vrai, les courses, on en a pas eu. Il y avait 0,1 plus bas. Si t'as 0,1, t'es dead. Jessica Miles, donnez-nous un signe. Jessica Miles, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. Manifestez-vous. Le vaudou est en train de voler, what the fuck. Miles. Ah oh, si, non mais c'est vraiment son nom. Je crois pas d'ordre. Jessica Miles, donnez-nous un signe, apparaissez, faites quelque chose. J'ai couru vite hein. Ça, je peux te dire j'ai couru vite hein. Ouais. Bah et même pas. Regarde, tu vois la poupée voodoo voler toi? Non, elle est bien collée. Ah non, elle vole. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ah. Ah. La vieille. La vieille. Spirit Box. MF5, Spirit Box, pas d'empreinte, pas d'orbe. C'est ça, comme d'hab. Comme d'hab, en soi. Vous êtes sûr qu'on refait pas la même partie? Dans le dos, je remets l'esprit, hein. Il y a pas d'empreinte, il y a pas d'ordre. Si Kamail s'écrivait dans le livre. S'il y a pas d'ordre, on refait exactement la même partie. Ça, c'est chiant. Si Kamail écrivait dans le livre. Miles, écrivez dans le livre. Ça va, il est calme. Il a jamais été aussi calme de toute sa vie. Moi, tu peux connaître. Est-ce qu'il m'a gueulé dessus à un moment? C'était ma tata. On est parti à l'école ensemble. On a mangé des pommes potes. Ouais, c'est vrai. Ouais, no joke, c'est vraiment pas les jumeaux. Hey! Oh! T'as mis une bougie? Oui! C'est un anniversaire! J'ai pris une empreinte du casier, ça fait interaction. Jessica Miles, écrivez dans le livre. Juste aimé là. Pour un mur est hanté. Ah mais attends, il a fait peut-être quelque chose à la cuisine. Il n'y a rien de spécial à la cuisine. La porte, ouais. T'as raison, le mur est hanté.
Oh. Oh. RS pour le moment. J'ai un petit souffle, mais pas. Ouais, je l'ai entendu quand je suis parti. Ouais, le souffle, j'ai entendu quand je suis parti. Ouais, c'est sûr, c'est encore un esprit. C'est vrai, certain. Tu vas avoir une deuxième caméra. Il a des goûts de luxe celui-là. Ma parole. Une AHD au moins. Ok, je t'emmène une 1080p, une 24x5 en auto. Ah, 9.4. Mets-la là, devant les casiers. Voilà, là. Viens, petit peu là, tu remarques. Donc on est bien parti sur l'esprit encore une fois. Pas WTF qui va faire l'écriture et le fantôme l'aime pas. Bah ouais, c'est pas écrit, c'est normal. Jessica Miles, où êtes-vous? Mec, le fantôme s'appelle Jessica Miles. Le fantôme écrit. Jessica Miles, écrivez dans le livre. Jessica Miles, écrivez dans le livre. Il faut la passer nulle part. C'est un événement. Les ampoules sont cassées, je crois. Écrivez dans le livre. Jessica Miles. Il va pas commencer à faire sa princesse là. Vous faites quoi? Il y a vos bras qui dépassent sur ma PO. Je suis fatigué, j'en veux plus. T'as fait quelque chose? J'en peux plus. Jessica, t'as fait quelque chose? J'en peux plus. Ça fait même pas une heure que je suis là, j'en peux déjà plus. Jessica répond. Bah, tu sais comment le faire venir? Hop, un petit coup de poupée vaudou. Ça passe comme ça, ni vu ni connu. Je te conseille de pas rester là, je vais faire la poupée. Vas-y. Je te conseille de partir. Non, parce que c'est toi qui vas crever si tu utilises la poupée, c'est pas l'autre. Ah. Attends. Non, la dernière fois j'ai utilisé la poupée, c'était tombé sur toi. Ouais, bof. Je sais pas. T'es à vos risques et périls. Ah, c'est déjà pas mal. Au moins, tu meurs pas. Jessica, si tu viens pas, je repique la poupée, hein. Ouais, ouais. Dis-lui dans le bras, ça excite. Là par contre c'est activité à 10, hein. Donc c'est possiblement qu'elle chasse. Non, elle chasse pas, la porte est ouverte. Moi la dernière fois elle a écrit pendant qu'elle chassait.
ça l'excite. Oh non, tu ramènes quoi? Qu'est-ce que j'ai emmené? Peut-être 4 pins ou 5 pins enfoncés, certes. Mais ça fallait suffisamment pour qu'elle écrit dans le livre. Ouais, c'est vrai. Ça craint l'esprit. Bah là. Ouais, y'a pas de doute possible. Imaginez qu'elle se rende sur le craint l'esprit. Ah bah si c'est ça, on part direct. C'est bon, on part? Tu peux appuyer? Vas-y. J'en peux plus que deux. Vraiment? Venez les chercher, je vraiment j'en peux plus. Mon corps, j'en peux plus, je me marre à H24. C'était pas censé être un professionnel. J'ai juste oublié. Les comptes de chargement. Voilà. Ah non, il est là-haut, j'avais pas vu. Ouais, il joue Jaiga solo. Cap là. Parfait. Les témoins stables. Mais non, faut appuyer sur A, gros. Regarde, non, mais. Non. Mais non, il a un croquis. Non, non, non. Blaze, c'est toi qui l'as frappé avec le bout de bois, je l'ai vu. Quoi, le bout de bois, il a frappé? Oui. C'est pas mon cul? Non, c'est pas ton cul. Bah. J'ai pas ses preuves. Je propose ça. J'ai pas fait gaffe. Je suis le ruineur de la game. Je suis le ruineur du fun. Vas-y, la casse de cap là. J'interromps le fun. Il a tout cassé. Pas fait exprès. Non, non, professionnel. Parti se lance. Ah ouais, ça fait zig de bras ce truc. Là c'est difficile parce que les uns est extrêmement difficile. Moi je vous dis, je joue pas, je m'esprit. Dress Carter, paranormal EMF, photo, crucifix. Oh, c'est simple! Chambre bleue, porte est déjà ouverte. Chambre bleue? Voilà celle-là. MF5? Oh non, pas encore MF5.
tard. Une porte. Boris Carter, donnez-nous un signe. Température glaciale. Déjà ? EMF 5, température glaciale. Chercher l'os. Je pense pas qu'il a été trouvé l'os. Par contre, faut finir. Non, mais faudrait finir la mission assez rapidement vu qu'il bouge de salle. C'est ça le problème principal. Mais elle se déplace pas souvent vers la buanderie. Vers la garderie. Plutôt. Où êtes-vous? Là, j'avais vous. Où êtes-vous? Ici. Quel âge avez-vous? Je suis là, Darlene. Où êtes-vous? Nos clips dans le plafond. Pourquoi il y a nos clips? Le DETS est à nos clips dans le plafond. Mais s'il y a nos clips dans le toit, tu peux essayer, tu peux tenter de le récupérer. Ouais, parce que là, je peux pas le récupérer. Hein. Ouais, tu peux pas le récupérer. Là, j'avais vous. Et on a besoin de sa chambre, minuscule. Seul ici. Peut-être qu'elle ne pas. Attends. Si j'avais voulu noter le coup de l'histoire de téléphone. On va dormir. Il y a une ours bien en combat ici. ETS. En gros, extra timide, mais peu dangereuse. Sinon, il faut les cliquer. Ah bah, si c'est une ombre, on va passer tout le temps. Chris Carter, écrivez dans le livre. Et la lampe UV. Chris Carter, écrivez dans le livre. Chris Carter, écrivez dans le livre.
Ça chasse. J'ai fait tout le tour de la maison, j'ai pas trouvé l'os. Elle va hyper vite. Elle va vite dans le sous-sol. Ouais ouais non mais genre vraiment dès qu'elle a vu dans l'escalier elle a accéléré. Ouais, Jean, il faut une empreinte mais j'ai pas trouvé d'empreinte. Quoi? Crucifix photo. Il faut une empreinte. Moi je suis dans l'autre, je veux savoir. Hallucinant, je veux absolument pas où il était. Mais de 3, là, dans professionnel, il n'y a pas d'assurance, donc là, il va y avoir peut-être 3000 balles dans le cul. 3, je sais toujours pas c'est quoi. Vas-y, c'est un jean. Tant de jean. Bah, dès qu'il nous a fait, il a serré. C'est un truc. Moi, vas-y, on tente Jean. Et Jean. Toi, tu nous as écouté, on va démarrer le camion. Hein. Si c'est Jean, waouh, c'est soit Jean ou Oni de toute façon. C'est les jumeaux. Welcome back. There's some jobs ready for you. Où est-ce? Où est Telos? Dis-moi. Purple bedroom. Mais tu fais toutes les maisons, toute la pièce de la maison, j'ai pas vu. Ouais, mais Los, il peut être minuscule, hein. Peut-être c'était un bassin. Non, dis-toi que là c'est plus dur à trouver. Hein. Les gars, j'aurai aussi le Jenga. Ok, j'y vais pas. Je vais encore tout faire foirer. Oh non! Oh non! Oh non. Sérieux! Ah, si c'est pas fait! Ah, si c'est pas fait! C'est un malade qui tape le cabot de bois. Je viens de perdre 500 balles. T'as pas du quoi? Ah, il coûte dur. J'ai perdu 500 balles en total. Ça rebondit.
Vous débarrassez les quilles. Ah monsieur, tout est vendu là. Tout est vendu, c'est déjà trop tard. Sur vos têtes au-dessus. Vous êtes assommé, c'est pas préparé l'assurance. On est en train de foutre le bordel dans le, dans le, dans le local. C'est un truc qui repéra. Ouais, j'ai mis sur les contrats en plus. Allez, allez, on fout vraiment le bordel. Soit tu vas à fond, soit tu vas pas à fond. Bah ouais. Et là où il y a le problème. Oh le voilà, c'est quoi le résultat? Oh le bordel. J'ai de la chance, c'est you. Si meurt pas. Ah bon, parce que tu crois que je l'ai choisi peut-être? Je sais pas, pour moi il venait d'en haut et après à la fois quand je suis descendu, il venait d'en haut, du coup j'ai descendu, il venait d'en bas. Les gars, regardez. Je suis remonté, il venait vraiment d'en haut. Spike. Alors, faire placer les kills. C'était toi qui avais plus de santé mentale entre nous trois. Moins de santé mentale. Il vient de dire le moins de santé mentale entre nous trois. Attendez, c'est vraiment ce qu'il vient de dire là? Dans du sel, temps de mouvement, tôt. Je devrais le faire. Simple mouvement. On a capté un mouvement. Sel. On est gagné dans le sel. J'ai pris ce que c'est de mouvement. On est déjà. 5? Cercle d'invocation. Cercle d'invocation en bas. Megan Anderson, donnez-nous un signe. Claquez une porte. Donnez-nous un signe. Megan Anderson. Oh! Ok, elle est en couloir, elle est en couloir. Elle est dans le couloir, c'est sûr. Il est ça.
Ian Anderson écrivait dans le livre. Megan Anderson. Megan Anderson écrivait dans le livre. Au casier, mais il n'y a pas d'empreinte. Je suis pas sûr qu'il y aura empreinte cette fois-ci. Encore une fois. Megan Anderson. Yes, I. Poteau. C'est un poteau. Oh la vache. Bon, du coup, on sait que Megan Anderson a l'appareil là, à côté de son PC et le piano. Tu regardes s'il y a de l'argent liquide. Megan Anderson? Donnez-nous un signe. Attends. Ça chasse gros. Il est mort. Un chasse. Il est mort. Il est mort sous sol. Megan Anderson écrivait dans le livre. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Ouais, j'ai pris une photo. Où êtes-vous? Si vite. What the fuck. Hey, comment ça va? Si vite. C'est vrai que moi je suis mort. Ouais. Pour rentrer dans un casier, je suis allé trop vite, je suis pris le tonneau. Et il y avait, j'ai entendu des hommes descendre les escaliers.
Il y avait des cachets dans le casier. Oui, mais j'ai raté, j'ai raté. Elle m'a tué si vite par contre. C'était rapide, hein. Ah ouais. Je suppose qu'il est dans les merdes, hein. Il a 28%. Il n'a rien. Il n'a rien comme preuve pour l'instant. Il n'a aucune preuve. Pas de problème. Pas réussi à tout capter, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit qu'il n'y a pas eu d'orbe. Ouais. T'as rien capté à la spirit box? Ouais. Je ping au pif. Statistiques détaillées, garage. J'ai pas trouvé l'os. Ça m'énerve. T'as dit tu vas y aller, c'est ça? Ouais. Vas-y, à plus. Bonne journée. Bah, c'est bonne fin de journée. Bonne soirée. Bonne soirée, toi aussi. J'ai fait un style kill parce que j'ai perdu. J'ai raté de. C'est ça. Réussir dans le de rentrer dans le dans la cachette. Je pense qu'on va partir pour un petit peu pour d'inter. Pourquoi tu dis que je te parle d'inter? Parce que tout simplement voilà, je puis dire les inter. Parce que là je vais pas vous mentir que je suis un petit peu déficient de 1000 balles. Ça fait un peu mal. Viens faire un peu de Jaga. T'as combien? J'ai 7300. Oh, j'ai pas fortuné. Quoi, t'es plus fortuné? J'ai 7700. Bah du coup je mets les... Attends, je mets les objets pour cette game et le microphone était en mouvement, ok? Et je mettrai pour le pour les prochaines games, ok? Tu les mettras pour les prochaines games. Vas-y. Vas-y, je mise un jeu, ok? Si tu me bats sur cette partie de Jaga, tu lâches 30 bits, ok? Hein? Ah ouais, y'a pas de collision. Ça. Vas-y, et on le repose dessus. Hein. Ouais, ouais. Du coup, tu commences. Ah, tiens. Ça tient. Ah, tiens. Mais là, ça tombe. Ouais, j'ai perdu. Oui, les spécifications. T'as dû prendre de ce côté-là pour égaliser les... En fait, je l'ai pris au milieu. Putain, je croyais pas que ça allait faire direct, putain. Moi, je croyais qu'on avait pas un titan, je sais pas. Il est passé trop rapidement. Allez, putain. Ce stream-là, j'attends. 30 putain de bits. Allez, sérieusement. Allez, t'as parié. Parié.
faire ton radin. Très rapide game, j'ai même pas besoin de reset mon truc d'évidence. Je sais pas si ça les a envoyés. Tu peux? On verra et on... Ok, c'est bon. Non ? 0,42$, voilà. Ah oui, c'est ça. Ça fait 40 centimes. Putain. Oh ! Sérieusement ? Vous appréciez pas Paris Saint-Jean, je tire. Et Paris 50 balles. C'est pas avantageux, hein. Il me dit, Blaise, la prochaine fois, du coup, en bits, 50 balles, ça fait. Ça fait 5000 bits. Alors, en gros, c'est en sachant que 100 bits, c'est 1 dollar. Ah du coup c'est 100 bits. Si 100 bits, c'est ça 100 bits, 100 dollars. Ouais. Okay. Gloria Cray. Trouver des preuves d'activité avec le collecteur paranormal de MF. Empêcher l'activité du chasseur avec l'aide d'un crucifié. Prendre une photo de l'entité. Personne seule. Non tout le monde. Non tout le monde. C'est bien, on a fait quand même 5 games avec Walala, mais je sais pas, de temps en temps, quand il parlait dans la radio, je l'entendais pas. Ah non, tu l'entendais pas ? J'entendais pas quand il parlait dans la radio, je sais pas, sa voix était 3 fois trop baissée, non ? Non. Bah, j'ai dû mettre à 100% et encore. J'ai mis à 100%, mais j'entendais un petit peu grisillé. Bah, c'est grisillé, c'est normal, parce que c'est le 100% qui fait ça. C'est vrai. Maria Gray. Non, même pas. Oh, température glaciale par contre. Grand garage. Pas un esprit. Ah non. Bah non, y'a pas de température glaciale là, l'esprit. Bah oui, effectivement. Bah oui. Oh, c'est une boîte à musique. Il est pas dans la chambre des parents, mais j'ai pas été voir dans la blue bedroom. Bonne nouvelle ça. Meilleure nouvelle ça. Et j'ai trouvé deux diamants. On n'est pas dans le même jeu là non. J'ai profité pour prendre une petite pioche, creuser dans le sol.
Coucou Mehdi sur Twitch, comment tu vas? Qui s'appelle Mehdi sur Twitch, il m'a pas dit bonjour, il a juste pris le Discord. Coucou, je vais bien et toi? Bah moi je vais très bien, j'ai perdu... Est-ce que c'est le même Mehdi que sur Overwatch? Je sais pas, merci Mehdi pour... Merci Mehdi pour ton follow, merci à toi. Mais ça me dit quelque chose, Mehdi. Mais est-ce que c'est pas Mehdi sur Overwatch? Mehdi qui a joué Lucio. Je sais pas, il me donnera peut-être la confirmation. Je sais pas, parce que c'est la première fois que je le vois. Je sais pas, ça me dit rien. En tout cas, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas d'orbe. Je vais mettre un livre et box. Ok. Il vient de me dire qu'il est sur le vocal de Phasmo si on veut. Parce qu'en fait, là, on utilise le chatting game. Le chatting game de Phasmo. J'aimerais bien jouer avec vous. Spirit Box et il n'y a pas d'autre forcément. J'ai configuré mes touches pour quand je joue, quand je parle in-game, ça me mute sur Discord. D'accord. Du coup, on a dit Box. Ouais, quand Rigueur se rapproche au micro, on t'entend pas. On t'entend pas. Viens là, toi. Je parle un peu plus fort peut-être aussi. Ouais, je suis sur le stream là, mais alors. Du coup, on a dit température glaciale, spirit box, c'est pas de projecteur. C'est tout à fait ça. Faudrait l'empreinte pour le mimic. Mais je vois pas d'orbe. Ça sera pas mimic. À part, attends, faudrait que je prenne la caméra, je balade dans le. En fait, il y a la suppression de bruit qui casse tout. Comment ça, la suppression de bruit? Genre, ça capte pas les bruits de fond de ton micro, on est d'accord. Je vois pas d'orbe. Si ça capte un petit peu les bruits de fond. Ça capte un peu les bruits de fond. Parce que quand on voit ton phoque parle, on le capte un petit peu. Parfois ça baisse ton son. Les jumeaux ? Ouais. Comment t'as fait pour faire le truc en bas à droite, évidence ? Alors comment j'ai fait ? C'est une longue histoire. Sur le Discord Phasmophobia FR, un mec a trouvé un site révolutionnaire pour faire l'évidence. Sur Stream Element. C'est directement sur Stream Element. Et apparemment, je savais pas que WTF était un petit peu hacker dans son temps perdu. Il a modifié les phrases anglaises pour que ça devienne français. Du coup, je dois comment rentrer des commandes dans le chat pour que ça marque l'épreuve. Et ça marque directement sur le live. Et on trouve ça une idée incroyable. Du coup, c'est les jumeaux, d'accord. Je prépare ma réponse pour voir si c'est Mehdi qu'on a joué avec. Je n'ai pas ma réponse, c'est ça. Bah, du coup, je te pose la question maintenant. Mehdi, est-ce que tu as joué récemment à Overwatch 2 avec nous? Oh putain, oh, ça m'a fait peur. Est-ce que tu as joué récemment sur Overwatch? Voilà. Est-ce que tu te rappelles avoir rejoint un live pour Overwatch? Du coup, on est tout. Non, jamais. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Ok, donc non, au moins, ça me reste sûr que c'est pas le même Mehdi, tu vois. C'est... Un Mehdi Overwatch et un Mehdi Phasmophobe. Ah. Du coup, on va lancer le camion, hein, vu que je pense qu'on a tout là.
Ah vas-y, parce que j'aurais pas la photo de l'entité. Là tu peux rêver. Ah ouais. Le mec il s'est pas mouillé, il a 89% frère. Le mec il s'est pas mouillé, tu penses vraiment que je vais y aller? J'ai une voix de 12 ans. T'as une voix de 12 ans parce que t'es pas encore muet ou alors parce que t'as 12 ans? J'ai deux pubs là. Ah la thune, on adore. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Jumeau, yes. C'est ça. Preuve ADN, comme ça il n'y aura pas de trigger pour savoir où était l'os. C'est bien, j'ai la thune pour la mission hebdomadaire de trouver l'os, en plus que c'est pas moi qui l'a fait. Ouais, je sais. Il a 3 pubs. J'adore encore plus la thune. J'adore la thune. Oh putain, j'ai oublié d'enlever encore les capteurs de micro de public. Là, tu cliques sur supprimer. Et tu fais moins. Moins. Oh putain. Oh les knocks. Oh, je suis vraiment un gros enculé d'avoir mis ce son là. Bravo, t'as gagné mon honneur. Yo, yo, comment tu vas? Salut. Ah, il y a deux jumeaux dans la game là. Ah, bah attends, je change ça. En une fraction de seconde, il passe mes 10. Voilà. Mais attends, les niveaux, ils se gagnent facilement. Hein. Ouais, les niveaux, ils se gagnent facilement. Avant, c'était difficile. Ouais, c'est normal parce qu'avant il y avait les. Là, il y a les niveaux hebdomadaires. Il y a les missions hebdomadaires et. Bah ouais. Et là, il y a plus de trucs à trouver, du coup, ça donne plus d'XP. Et il y a les objets maudits et tout. Ah, avant, t'avais que la Ouija. Ça fait un moment. Les objets maudits, ouais, ça fait un moment. Hein? Les objets maudits sont là depuis un moment. J'ai pas compris. Les objets maudits sont là depuis un certain moment. Bah ça fait un an et demi j'ai pas joué. Ah bah ça fait un an et demi qu'ils sont arrivés je crois. Ah bah pile poil. Je vais pas dire exactement quand ils sont arrivés, mais je pense que c'est dans les... Bah j'ai arrêté à partir de... Ouais, septembre 2020. T'as jamais découvert à quoi servait la planche Ouija par exemple? La planche Ouija? Elle était là depuis le début. Hein. C'est juste les autres trucs qui... Ah, comme le miroir, les cartes... Miroir, cartes... Le cercle d'invocation, il y avait déjà, mais c'était pas un objet maudit. Il pouvait pas y toucher, en fait. Les cartes de tarot aussi, t'as pas dit? Les cartes de tarot et la boîte à musique. La boîte à musique, avant aussi, il y a un an, elle était là physiquement, mais c'était pas un objet maudit non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait plein de trucs, mais c'était pas des objets maudits. Le miroir, il était juste dans les salles de bain. Ouais, il était ouais, juste. Ouais, c'est un miroir. Hein. Juste pour te faire beau. Ici, les caisses, elles servent à quoi? Coming soon. Hein. Grosse coche thoracique là. Là où j'ai, c'était un bon outil, mais maintenant, je sais même plus comment elle fonctionne. La dernière fois que j'ai trouvé, ça mettait une sorte de truc, mais ça fonctionnait pas. La planche Ouija? Ouais, là où j'ai. Ça mettait le petit truc, mais ça fonctionnait jamais. Ouais. Par contre, quand je dis cache-cache, oui, ça fonctionne bien. Ah oui. Ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très très bien. Mais quand je dis quelle est ta salle préférée... Ah non, il faut dire où es-tu. Il faut dire où es-tu. Il faut dire où es-tu ou alors quel âge avez-vous. Et ça marche. Par contre, faut dire toujours... Oui. Par contre, faut toujours dire au revoir à la fin. Sinon, il pourrait te tuer. Hein. Ouais, si on s'éloigne, c'est une tue, c'est ça. Ouais, elle aime pas trop l'impolitesse, apparemment. J'ai regardé le Phasmopédia sur Fandom. Avant, j'ai... D'ailleurs, j'ai plus le serveur Phasmophobia FR. En fait, j'ai un bug. Tu vois, tous les serveurs publics, si je les rejoins et que je les quitte, je peux plus les rejoindre. Ça me dit impossible d'accepter l'invitation.
Du coup là je peux plus aller sur Phasmophobie à faire. Attends, est-ce que je peux pas t'inviter manuellement? Du coup ton micro tu pourrais peut-être le rapprocher parce que là j'entends rien. Il est au vraiment, bord. Ça coupe ton il son. Est au bord du vide. Je fais un pas en plus, il tombe, il dead. Oh, non, oui. Je sais pas, c'est à part... Non, mais parce que j'ai déjà augmenté le son à fond. Attends, à part si je baisse le son du jeu un peu. En fait, c'est parce que. Du coup, ça capte mal et ça. Ça veut pas capter les bruits de fond, tu vois. Attends, je vais essayer de corriger quelque chose. Genre, des fois, on t'entend fort et des fois, on t'entend plus du tout. Vous avez mis le stuff ? Ouais, j'ai mis le stuff, ouais. Je vais rajouter du bon gros stuff avec une AWAP. Je vais en Amérique. Hey, t'as mis ton AWAP? Non, attends, je suis en train de regarder. Maintenant, la poupée vaudou, elle a une utilité. De quoi? La poupée vaudou, elle a une utilité. Poupée vaudou? Ouais. En fait, si tu cliques droit, ça enfonce une épine. A fait un événement. Par contre. Maintenant, il y a des aiguilles. Ouais. Avant, c'était juste la poupée, elle était vide, tu pouvais la balancer comme tu veux et tout. Par contre, tu fais clic droit et classe une épine touche son cœur, ça fait une chasse maudite. Une grande chance de mourir. Est-ce que là, tu m'entends un peu mieux là déjà? Oui, je vois. Attends, c'est bon. Attends, c'est bon, je suis plus. Attends, c'est moi, je suis plus sur Streamlabs. Est-ce que ça capte un peu mieux là déjà? On verra en lanterne. Ok, on verra en lanterne, vas-y. Ok, il est ban sur Discord. Il vient de m'enculer les oreilles. Bah, ton avis? Moi? Pas toi? Y'en a un là! Il fait l'innocent avec sa tête d'ange là pour l'instant. Je parle bien de Mehdi, bien sûr. Ah, ce son il pète les oreilles quand je l'ai écouté. Bon, allez, on lance ou quoi? Ah, oui, manquez-moi en fait, comme un con. Vas-y, vous pouvez lancer. Let's go. Du coup, là, normalement, ça aurait déjà changé quelque chose. Ma paramètre d'entrée était de 48, là, elle est passée à 60. On verra si ça fait meilleur les choses. Normalement, on devrait un peu mieux m'entendre. Vous êtes lié en fait. Mais vraiment. Ils veulent que je fasse une crise cardiaque aujourd'hui. Ouais. Fais pas l'innocent, c'est marqué. C'est marqué dans le chat. Non mais écoute. Mais ça, je deviens sourd, c'est clair. Suzanne Nielsen, marché dans le sel, et t'as qu'à crucifier, capte un mouvement. C'est Suzanne Nielsen. La température vient d'augmenter de 10 degrés. J'ai chaud. J'ai compris directement Jules Bédette là, j'ai compris direct le début. Des cartes de tarot. Normalement ça devrait être marché, mieux marché. Mon paramètre d'entrée est de 48, il passe à 60. Je veux pas prendre de lampe, c'est parti avec la caméra. Ah, il va voyager avec la caméra. Je me balade avec mon trépied et ma caméra. Il est en mode Gus DX là. Moi je suis au garage. Non, moi je peux voir les autres en bas. Ah bah le courant il est là. Voilà. Activé. Je viens de le voir après, ouais. Activez le courant. La lumière fut. Je peux voir les autres dans toutes les salles. Hein. Ah ouais, let's go. Hein. Du coup, dégage, éteins ta lumière. Moi je veux voir ici pendant un bon moment. Moi j'ai déjà capté la température ici. Je vais voir quelque part d'autre. Bah non.
Ouais, justement. Là, je vois de 9 à 13. Il nous a engueulé. Touche pas la photo. Non, non, il y a deux enfants là-dessus. On prend la police. J'entends un EMF. Ouais, 3. Ouais, bah 3,9 aussi. C'est ici dans ce couloir là. Je crois que c'est vers le livre. Il y a un livre à faire. Je vais vous. Où êtes-vous? J'aimerais te parler. Manifeste-toi. Montre-nous. Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Empreinte! Il y a une empreinte là! Interaction. Interaction, interaction, mais tu te fais la gueule de qui là? Empreinte! Empreinte digitale! Empreinte digitale! Bah tiens, hey. Hop! Viens! Viens! Je ramène juste. Où êtes-vous? Okay. Spirit Box! Elle a parlé! Elle a parlé dans la Spirit Box! Elle a dit qu'elle était là. Bah du coup elle est là. Hein. Pas d'orbe, pas de MF. Pas d'orbe, pas de MF. Pas d'orbe, pas de MF. On a quoi le contre-preuve des gens? On a empreinte et box. Vous avez vraiment vu les empreintes? Ça attaque. Ouais, il est dans le casier là. Regarde, j'ai deux. Les deux, c'est pas sa sécurité, ça. Les deux, j'ai eu trop de chance, je me suis caché en vitesse. Il me collé le circuit. T'as eu trop de chance. J'ai eu trop de chance. Tu sais que t'as été toi. Vous avez vu ma caméra frontale? Là, c'est là, dans le placard. Non, en fait, tu vois, je suis parti dans le couloir. Il a spawn dans le placard au couloir. Je sais pas, elle a l'air un peu énervée. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Et bonjour. C'est allé à 2, maximum 4. Il a dit, here we go. Je sais pas. Il faut pas marcher dans le sel pour l'instant. Comment elle s'appelle déjà? Suzanne Nielsen, marcher dans le sel. Je crois que ça répond personne seule, peut-être. Sel. Ouais, personne seule. Ouais, t'aimes bien en fait. Non, je coupe plusieurs, marche beaucoup, hein. Ah. Ah, elle est partie là-bas. Elle est partie là.
Il a dit qu'il a peut-être vu un dot. Il a dit qu'il a peut-être vu un dot. C'est un cauchemar, hein. Il y a plus de points. Ouais, double dot. Allez, salut. Ok. Ok, double dot. Martius, c'est du capitaine mouvement. Attendez, vous avez vu empreinte digitale sur la porte et tout? Ouais, ouais. Sur les placards, ouais. Enlevez le dot. Enlevez le dot, il sert plus à rien. Le dot, il sert à rien. Attends, t'es déjà au chômage. Dot, on va le jeter là. Dot en réserve. Ah, oh, il a marché là-bas, non? Il a fait tomber un truc. Mais il y a personne qui sont seuls. Emprunte, ouais, ok, sur les deux placards. Partez, moi j'attends le sel et le crucifix. Il a éteint toutes les bougies d'un coup, c'est peut-être des jumeaux. Enfin, bah non. Mais attendez, c'est quoi? On a preuve. On a comme preuve, on a empreinte, projecteur, spirit box. Ouais, bah on a toutes les preuves, ok. Ouais. J'étais tout le stuff là. Sauf qu'on n'a plus besoin. Apparition. Oh, j'ai eu. Tom. Bah si, j'ai eu. Zad Nilsson, donnez-nous un signe. Moi j'attends qu'il marche dans le sel en fait. Don Nilsson, donnez-nous un signe. Don Nilsson. Don Nilsson, donnez-nous un signe. Mais il a marché dans le détecteur, ok. Cherchez un deuxième crucifix. Moi bon, j'en aurai pas plus. Hein. Oh, attaque, ça. John Nilsson, donnez-nous un signe. Un encens au cas où pour le repousser. Aussi fidèle. Non, j'ai volontairement fermé la porte parce que je sais qu'elle répond personne seule. Et elle gagnerait en confiance si je ferme la porte. Du coup, ça fait un tome. Il y a un encens dedans au cas où. Bon, bah, on peut y aller, hein. Ah, on s'étend. Ouais, ouais. On a fait une dure journée. Par contre, mec, faudrait peut-être réduire le nombre de pubs sur tes lives parce que là, je suis encore. Ah. Tiens, ça gueule. Ouais, c'est normal, ouais. Ouais, c'est pour ça.
Je vais m'expliquer ça vu que t'as déjà rejoint. Elle capte un mouvement. Du coup, on a trouvé l'objet maudit ou pas? C'était des cartes, j'avais dit, ouais. Ok. On va voir toutes les photos. Ouais, t'as parlé quelque chose avant par des pubs? Avant que tu sois cut? Ouais, genre, il y a vraiment plein de pubs sur tes lives. Alors. Tout à l'heure, j'en avais 3. Ensuite, j'en avais eu 2. Et j'en ai eu 3 là. En fait, je vais t'expliquer un truc. Quand tu rejoins des lives, t'as des pubs. Et mes pubs sont genre là toutes les genre 19 minutes. Et les nombres de pubs, je peux pas les choisir. Si t'en as 3, 4, 6, je peux pas les choisir. Vraiment toutes les 10 minutes quoi. C'est. Vraiment, il y a beaucoup. Non, ils mettent chaque 30 minutes. C'est pas peine, c'est pile. Vas-y, j'ai choisi un mob, je rajoute la juste après. Alors. Je mets mes objets, on pourra y aller. Willow, le street. J'ai vraiment eu de la chance de pas crever tout à l'heure. Justement, je sais même pas comment t'as fait. Je pense qu'il peut pas trop s'éloigner de sa zone. Apparemment, je pense que c'était peut-être une apparition. Non. Non, la porte. La porte a vraiment été fermée. Il a complètement tout cassé. Oui, il a fermé la porte. Oui. J'ai pas bu. Mon téléphone, t'as entendu? Je suis parti à la porte et j'ai vu quelqu'un. Quel était lock couloir? Je vois le fantôme demi-tour et prochain placard. C'était vraiment mission impossible quoi. Agent 007 avec les lasers. Marie Martins, réponds pas sur le sol. Faites en sorte que l'entité ait une bougie. Faites en présence d'entité avec un capteur de mouvement. Repoussez l'entité avec un panneau d'ensemble pour qu'il chasse quelqu'un. Oh. On a les pires. Ça va aller. Il est sous-sol. Sous-sol, les mecs. Sous-sol. Sol tout au fond. Je savais même plus quel sens ouvrait la porte. Non, c'est pas ça. T'es sûr que tu veux me donner cette mission? Ok. Alors. Marie-Martine, où êtes-vous? Marie-Martine? Oh, sous-sol. Marie-Martine. Il est là. Ah, beau bâton. Marie-Martine, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. Quoi, c'est pas sous-sol hein. Non, j'ai dit, il y a une poubelle sous-sol. Non, mais non. Et je regarde avec les températures, il est pas sous sol, je pense. Apparition, les mecs dans la salle au fond, à gauche. Il a fait clignoter les numéros rouges, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'était juste un événement. Là, j'avais vous.
Là, j'avais vous. Où êtes-vous? J'aimerais te parler. Entre nous. Et là, j'avais vous. C'est bien là. Hein. On est aux alentours de 4 degrés. Mais c'est pas la blue, hein. C'est pas la blue bedroom, hein. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Là, je vais vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous ici? Vous jeune? Vous âgé? Où êtes-vous? Où êtes-vous ici? Je pense que ça sera pas Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous seul ici? Pouvons-nous vous aider? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Écrivez dans le livre. Mettez les lumières pour voir si je vois une orbe. Effectivement, il y a une orbe. Bon, le mimique rentre dans l'équation alors. Le mimic rentre dans l'équation, mais il a pas, il parle pas à Spirit Box. C'est ça, et il écrit pas. Il a pas fait d'empreinte. Banshee ? Je vais prendre du sel. Si c'est Banshee, on devrait l'entendre au microphone par public. Si c'est un Banshee, on devrait le capter au microphone parabolique normalement. Il a marché ici, empreinte de pas. Mais j'ai pas mon appareil photo. Il a marché. Il marche beaucoup. Hein. Il revient par là. Ah, Dot. Il y a Dot, les mecs. Dot, Orb. Ouais, Dot. Encore Benji. Pas d'empreinte digitale pour le Benji. Je dis, c'est Benji. Dot, encore faux, oh là là. Mais c'est empreinte digitale, hein, pas de pas. Ah, empreinte, ouais. Empreinte. Empreinte là, sur la porte. Ici. Oh, un appareil photo. Prends photo. Y'a pas d'appareil photo. Je cours en chercher un. Ah, y'en a pas. Oh putain. Ça va partir, hein. Les empreintes de pied, elles sont déjà parties. Ouais, mais je pense que les empreintes de pas, les empreintes de la porte, ça prend moins de temps à partir. C'est juste là. Hein. Là, tu vois bien l'empreinte? Éteins ta lumière. Tu la vois bien? Descends un petit peu. Ah oui, il vient passer encore dans le dot là. L'empreinte, ça va bientôt partir. Hein. J'arrive. Vas-y. Là, vite. Auto. Voilà. Empreinte digitale.
Ah yes. Là, on peut y aller, on peut y aller, c'est Benchy. Ouais. Mais non, faut faire les défis maintenant. Il y avait quand même quelques secondes, j'entendais, et c'est pas, ça pourrait pas être Betty, hein. Vas-y, va prendre. Vas-y, va prendre photo. Prends photo. Vas-y, c'est fantôme, go. C'est fantôme. J'ai fermé la porte pour faire flipper. Ça marchera, ça marche, ça lui marchera pas avec mais la porte. C'est quoi l'épreuve? Alors t'as et... empreinte, orbe, projecteur. Attendez, ouais, c'est pas Mimic, ok, ouais, orbe, Banshee, elle criait bien, hein. Ouais, elle criait bien. Capteur mouvement. C'est quoi les défis encore? Capteur mouvement et bâton dansant pendant qu'il chasse quelqu'un. Pas dedans, je sais pas quoi faire. J'ai entendu crier dans, bateau, dans le microphone. Ah ouais? Elle est passée locataire. Attends, je viens de chercher, Il est perdu? Toujours pas bouffé. Manifeste-toi. Je pense à la sucrée de sol, hein. Je vais voir la température. Dans la logique, ouais. Oh non, elle m'a mis des feintes, enculé. Ah. Il est mort. Il est mort. Ouais, il est mort. Attends, je t'ai entendu gémir, il est où? Attends, faut que je prenne une lampe. Je vais jeter ça. Non, mais j'ai entendu gémir, mais il est où? J'ai entendu agoniser. Il est où? C'est fini mec, activité 0. Pas son corps. Elle marche beaucoup dans sa salle. J'arrive, j'ai pris une lampe. J'ai encore un ensemble. C'est bon, si clairement vu comment elle crie. Y'a pas d'appareil photo? Hein? Non, j'en ai pas. J'ai un appareil photo pour son assurance. Cours! Je vais voir pour essayer avec l'instant. Est-ce que quelqu'un me reçoit?
100%, il a fonctionné. Du coup, faut chercher encore un appareil photo pour l'autre. J'ai réussi avec l'ensemble. Ouais, on a fait tous les défis, reviens. Ouais, je prends encore son cadavre en photo pour son assurance. Ouais, t'as marqué de l'antias, mais bouge. Oh, je croyais que c'était le fantôme en fait. Je croyais que t'étais mort et que c'était l'autre. Reste là, on y va. Attends, je prends son photo, son assurance. Je pense à sa thune. Oui. Et c'est moi qui a mis tout ce stuff. Non, il en a mis aussi. Okay. Non, il. Je vais juste ramasser ça. Il en a mis, aussi. Plus jamais je pense à lui, plus jamais. Plus jamais je pense à sa gueule, vraiment. T'as mis des objets, oui ou non? Putain, mais vas-y là. On est en pro ou pas? Non. Bah alors pourquoi il m'a dit qu'on était en pro? Et de manière pour qu'il se casse. A droite, défi quotidien, à gauche, défi, voilà. Hebdomadaire, c'était quoi? Attends, c'était quoi? Pour qu'il se casse. C'est pour qu'il se barre. Non, l'assurance. Si c'est oui, jette-le en bas. Enfin, on reste en bas. Oui. Eh, attends, je vais répéter. Vas-y. Ok. Donc, défi quotidien, je reste. Défi hebdomadaire, je pars. Ok, on part. J'ai de la thune. J'ai pris ton corps en assurance, ok? Ouais, j'ai vu. Donc, moi ça va, j'ai pas besoin de thune. Moi ça va. On verra le jour, je serai en train de faire le mendiant, mais bon, ce sera pas aujourd'hui. Moi pour l'instant ça va. Là. Merci. J'ai mis tout le stuff, faut juste pas que je crève. Prends pas trop de risques. Ouais. Moi je vais venir juste pour poser le stuff, après je reste camion au pire. Caméraman. Vas-y. Vous voulez pas mettre en pro? Tu mets en pro? Ouais, ce serait bien. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas fait les FAS. Attends, il y a beaucoup plus de maisons. Au pire, les mecs, go faire asile. Asile, c'est bien. C'est gigantesque ton asile. La dernière fois, la crache. Mais s'il y a le miroir, c'est non, bien. Non, l'asile, franchement, je peux supporter. C'est quoi déjà l'asile, c'est où? L'asile, c'est Sunny Meadows. C'est un peu que la dernière fois, on a lagué. Ouais, la dernière fois, on a lagué. Ah bah, moi aussi, hein, mais c'est vite fait. Ou au pire, on fait l'école. Ouais, l'école, pourquoi pas? Non, faut rester calme, hein. Ça fait un an et demi, j'ai pas joué. J'ai du jeu courte. L'école n'a pas changé. Ouais, mais quand même.
c'est un an et demi, j'ai pas joué. Je sais plus comment on faisait pour repérer déjà. Alors là, bonne question. Ah oui, on utilisait microphone parabolique et on disait manifeste-toi à chaque fois. Normalement. Ça gueulait ou ça faisait des sonneries de téléphone. Normalement, pour l'énerver, tu dis taper son nom. Pour l'énerver, on disait j'ai peur, agresse-moi, attaque. Ah ouais, donc les phrases, ouais, des phrases bien provocatrices quoi. Ouais. Bah si, quand j'ai regardé sur le Phasmopédia, ils ont dit que quand on dit j'ai peur, bah c'est un signe potentiel d'attaque. Ouais. Bon, allez, on peut mettre prêt. Ouais. J'ai mis prêt. Ouais, c'est pas faux hein, ce que tu dis, c'est pas faux. Hein. C'est un signe aussi de soumission, j'ai l'impression. Raison de décès inexpliqué, cette école isolée est abandonnée depuis des décennies. On aurait quelques textures, mais je suis pas sûr. Encore arrivé, je crains le pire. Dernier arrivé, c'est ça? Quoi? Dernier arrivé. Christian Kemper répond à tout le monde. Empêcher de chasser avec un crucifix, santé mentale de 25%, détecter une sonde de paranormal avec un microphone parabolique. Oh, toi, moi, Lydie, on est arrivé en premier dans les best maps, et Blaze est arrivé en premier. Qu'est-ce qu'on se branle? La boîte musique. On tourne à droite chez quoi? La boîte à musique, sauf que là, il n'y est pas. Oh. Le mieux, c'est avoir le miroir quand même. Où est-ce qu'il est? Faut aller voir en dessous des escaliers, moi je veux voir à droite. Du coup, je vais à gauche. Pas spawn de ces trucs. Bonne chance pour trouver l'os là. Hein. Oh oui, l'os, hein. Oui. Qui fait le premier étage? Par contre, vous avez trouvé quoi ou pas? Alors, moi sous l'escalier, j'ai rien trouvé. Ok, je fouille à fond le rez-de-chaussée. Là, moi, je fouille pas. Je vois s'il y a des portes ouvertes. Y'a rien d'ouvert. S'il y a qu'un père. Tia Kemper. Oh. Donnez-nous un signe. Apparaissez. Ouais, je pense que t'as un peu plus de chance au niveau des caméras. Hein, que faire une salle une par une. Hein. Du coup, tu y vas vu que c'est toi qui as mis les objets, comme ça tu prends moins de risques. Ouais, bah je baisse un peu le stuff que j'ai pris, j'ai une script. Et là, j'avais où? Non, je vais déposer le camion. Si y'a qu'un peur, donnez-nous un signe. J'ai perdu mon sens de l'orientation, je sais pas où est-ce que je vais. Putain. Oh là, c'est
Ici, y'a qu'un peur, donnez-nous un signe, apparaissez, faites quelque chose, manifestez-vous. Hein ? Quoi ? Il a attaqué pendant un moment. Oh, je suis en salle de biologie. La porte a été verrouillée. Non, non, c'est juste que tu l'avais pas encore ouverte. Ah, t'es parti par les portes arrière ? Il a dû faire une chasse, mais qu'on n'était pas dans la zone alors. Bah. L'actualité elle était à 10 il y a 60 secondes. Christian Quimper, donnez-nous un signe. Du coup, tu nous donnes la localisation pour le disjoncteur ? Ah oui, c'est vrai. Je vais voir en haut. Ouais, il est en haut. Au premier étage ? Salut, mec. Maintenant, je vais voir les clubs. Ah, c'est pas très net. Appuie sur le clavier pour mettre vision nocturne, sinon. Ouais, je sais, j'ai mis vision nocturne, il faut que je les active sur toutes les clubs. Donnez-nous un signe. Ouais, c'est pas une mauvaise idée non plus. Hein. Je vais checker toutes les caméras. Ici, Camper, manifestez-vous. Là, j'ai les caméras frontales à nous. Ici, Camper. Où? Je crois que c'est là où t'es. Moi aussi. Non, attends, peut-être l'autre, t'es où? Attends, faut que j'entende sa voix. Qui est à l'intérieur? Qui est dehors? Je crois qu'il y a quelqu'un dehors là, non? Ah non, t'es en haut. Non, je suis juste dans le couloir. Va à l'entrée de la salle où t'es, les WTF. D'ailleurs, ouais, bah. What the fuck, t'es où? What the fuck? Oh, oh. Là, c'est à zéro, c'est à zéro. Fuck? Ah, je vois une lampe torche? Ah, 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 ah. Ok, bah pour l'instant, je vous lâche un peu, c'est peut-être vers là. Essayez de fouiller un peu. Ah non, c'est vraiment là, mec, activité 2. Cherchez là dans cette salle, peut-être température ou quoi. Moi, je vais voir la cam. Je vais faire un degré, frère, c'est que dalle. Moi, je pense que juste qu'elle s'excite un petit peu avec, vu qu'elle t'a vu. Juste à côté, hein. Ouais, je pense qu'elle est pas loin. Ici à Quimper, donnez-nous un signe, manifestez-vous. Ici à Quimper. J'ai peur. J'ai peur. Là, je vous vois
Tu nous vois galérer là sur les cams? Secondes. Là, 0-0. Je vais revenir. On va checker là où vous êtes. Testez le courant, voir s'il est allumé. Activité de l'humain. Il est allumé, les lampes des couloirs sont encore allumées. Ok. Moi, je vois rien d'allumé sur les cams. Activité 3, toujours, ça stagne. Ici, à Quimper. Ah bon? Bah là c'est 0-0. Viens voir Blaze. La Tomatol, je l'ai pas du tout bouffé, vous êtes à 50 tous les deux, donc ça peut pas être ceux qui affaiblissent leur cible, de mourir ou quoi. C'est peut-être dans le couloir, hein. Ici à Quimper, j'ai peur. Ouais, je crois que c'est dans votre salle, parce que là c'est à 3. Ici à Quimper, j'ai peur, t'as compris? 3. Ça rime avec ton nom? Ici à Quimper, donnez-nous un signe. Non. Ouais, quand tu pars au fond, il n'y a plus rien. Ah si, là, quand tu remontes, il y a un peu de problème, là. Activité 7. Moi, je suis... On a entendu un téléphone. Ça venait de ma droite. Ouais, ça venait là-bas. Ça venait à droite. Voilà. C'est toi qui a sonné? Je suis pas sûr que c'est lui qui a sonné. Pas sûr. Je pense pas que ça venait de si lointain. Je ramène Spirit et Ici à Quimper, recommencez. Redonnez-nous un signe. J'aimerais juste vous contacter par téléphone. Refaites sonner le téléphone s'il vous plaît. Me dis pas ça, parce que du coup, ça va être la game la plus chiante, quoi. Vous êtes où? On est à l'étage supérieur. Je crois que je suis là. Ouais, je viens de t'entendre, là. Je suis là. Vous avez trouvé la salle? Bah, on a entendu le téléphone, mais... Sans plus. Justement, on sait pas. J'éteins une lumière. Hein. Donnez-nous un signe. Ici à Quimper. Non, attaque, je crois. Attaque. Ouais, sûr et certain. Perdu, rien ne va plus. Il n'y a pas bombardé. Elle a attaqué au rez-de-chaussée. Ouais, elle a attaqué. Je suis toujours au premier étage, j'ai pas encore trouvé d'escalier qui redescend. Bah suis-moi, enfin.
J'ai trouvé des escaliers. Tricia Kemper. J'en avais marre, c'était que le frère. Putain, il est mort. Du coup, on a un mort. Il est mort vers où? Et deux bleus. Mort à l'étage d'un grand. Si je trouve son cadavre, moi je pourrais savoir où il est. Ok, je suis vivant. Elle attaque bel et bien au rez-de-chaussée, mais précisément où, j'en ai aucune idée. Elle a attaqué vraiment en face de moi, dans le grand couloir. J'ai entendu passer à côté de moi. La sortie, c'est là-bas, tu longes le mur de droite. Ok, je vais te guider vers la potentielle salle. Genre, tu vois, quand tu montes en haut, ouais. Tu tournes à gauche, dans le long couloir, tu vas voir son corps. Il arrive. Y'a mort ! On va mourir ! Cours ! Elle a disparu. C'est une apparition ? Ouais, c'est une apparition. Sa salle, c'est les escaliers. Hein. Sa salle, c'est en bas des escaliers, parce que vraiment, elle a pris du temps à chasser Bidule. Moi, ouais, je pense... What the fuck? Ouais, c'est ça. Bitch! Regarde, on entend tout en haut. Dans une porte, c'est fermé. Non, c'est derrière. Là. Ici. Derrière, c'est là. Ouais, c'est quelque part ici. Il nous a amené à la morgue. Mais il nous a amené à la morgue là. Ouais. Mais tu sais où elle spawn ou pas? Bah vas-y, change de map. Il court vite, hein! C'est un fantôme qui court vite, hein! C'est sûrement un yokai, moi je parle pour yokai parce que vraiment dès que la santé mentale a baissé, elle est partie en cacahuète la mission. Hein, revenant! Donc, je vous dis maintenant, prenez le fantôme qui vous...
moi, quasiment. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Casse-toi, vraiment, casse-toi. Prends tes jambes à ton cou, barre-toi. T'as encore la vie devant toi, barre-toi. Tu peux faire des enfants, etc. Mais il va y avoir une belle mère qui te fait chier, je sais pas, mais barre-toi. Ok, je me calme. Je lui ai dit tous les mots qui me passaient par la tête, j'ai rien compris. Vas-y, une dernière map là. Les esprits. Un myling. On doutait que c'était pas une bonne idée. Ouais, mais c'est vrai qu'il était silencieux en vrai. Mais moi, je connaissais pas le myling, j'ai jamais eu. Ah bah j'en ai eu que très rarement. Bah moi je l'ai jamais eu. Je pense qu'on va faire Edfield Road pour la pointe dernière. Ouais, Edfield Road elle est plutôt difficile. Non mais ça va. Non franchement elle est assez simple hein, je trouve. Non, parce que mec, la dernière fois je suis tombé sur des jumeaux, tu vois, ils ont pris les deux salles à l'étage là. Les deux grands couloirs. Genre les deux grandes places, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, t'as été pas vraiment chanceux sur cette conférence. Soit l'escalier, soit ils nous enculaient dans la chambre. Oui, d'accord, c'était pas vraiment une bonne position. Mais dans la plupart du temps, t'as une bonne chance dans cette carte là. Ouais, ouais. Je vais voir si j'ai de l'eau. Mais au pire, vous voulez pas venir voir au cas où? Comme ça, au moins, c'est plus simple. Une petite dernière en voc. Ouais. Vas-y, on se met tous sur le jeu, on se rejoint en voc. C'est mieux. Bonjour. Bonjour. Du coup, tu disais qu'elle était tu la trouves dure. Quand l'affaire elle est bien. Quand t'as une bonne aléatoire, franchement, ça passe. Et là, vous m'avez mute in game. Ouais, je t'ai mute in game, ouais. Mec, tu sais, tu peux me démute parce que j'ai mis des raccourcis clavier sur Discord qui me mute automatiquement. Genre. Donc tu... Attends, démute-moi du genre comme ça. Eh oh. Tu vois. Ah, tu veux que je te démute sur le jeu? Ouais, démute-moi sur le jeu. C'est bon, je te démute. Du coup, là, si je parle dans le jeu, tu m'entendras pas Discord. Comme ça, tu vois. C'est simple, hein. La vie est simple. T'as juste à aller dans raccourci clavier sur Discord et tu mets. Tu crées des actions, appuyer pour rendre muet et tu mets tes touches pour parler in-game et pour la radio. Après, le problème c'est que si je fais ça, ça va me créer des problèmes pour Overwatch 2 et Among Us. Ah, ok, ouais. Du coup, on va éviter de parler in-game, je vous mute tous les deux. Du coup, je te mute. Je te mute en jeu ou pas? Tu mets dans le game ou pas? Non, je pense que c'est mieux que tu laisses parce que des fois je vais parler in-game. Par exemple, par panique et par réflexe. D'accord. Si par exemple il y a une attaque et que j'ai des preuves, bah, je vais forcément appuyer sur mon bouton pour parler in-game.
Surtout si je parle à Spirit, quoi. J'ai mon bouton activé et je vais gueuler comme un malade. Oh là là. Je suis le premier. Ah, bogus. Ah, je suis dernier. Et moi, j'ai tous les jeux. Nickel, hein. Si tu pourrais bouger mon corps. Bouger mon corps ? Alors le dernier c'est Billy Douglas qui répond à tout le monde, il faut qu'il éteigne une bougie, une preuve de paranormal avec le lecteur EMF et il faut qu'un membre assiste à une apparition fantomatique. On y fonce tous. Le miroir c'est Eckhart. Billy Douglas. Esprit, es-tu là ? Billy Douglas. Billy Douglas. Billy Douglas, t'es dans la chambre parentale ? Apparemment non. Garage. Ah oui, ça m'a parlé. J'arrive. Combien ? MF5. Garage, ouais. Ok, hop, MF5. Moi j'étais AFK, je regarde le choix de l'info de la France parce que j'ai réussi à me remettre dessus. Qu'est-ce qu'il y a de garage ? Une fois qu'il y avait des cachets de garage. Billy Douglas, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. Le disjoncteur est au garage ou pas ? Ouais. Billy Douglas, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose. Billy Douglas. Billy Douglas, donnez-nous un signe. Apparaissez, faites quelque chose, manifestez-vous. Billy Douglas. Oh yes. Bon bah je vais poser des caméras. Je peux pas me répondre, du coup je vais poser des caméras. Je vais bunkeriser la zone, hein. Je prends le livre, Spirit, et j'y vais. C'est où du coup, garage ? Ouais, c'est ça, garage. Vous avez allumé le courant ? Ouais, le disjoncteur il est allumé, ouais. Ouais, il est allumé. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Je suis seul ici. J'aimerais te parler. Est-ce que je vois une orbe ou quelque chose comme ça ? Moi, apparemment, pour l'instant, j'en vois pas. MF5, Spirit Box. C'est pas d'orbe, c'est pas d'empreinte digitale. On va terminer par les mêmes qu'on a commencé depuis 3 heures. Projecteur ! Projecteur ! Spectre ! C'est un spectre. Si c'est un spectre, c'est dangereux, les mecs. Comme tout un spectre. Prenez vite du sel, prenez un masque de sel. Non mais attends, vas-y, je prends le sel. J'en ai pris deux. J'en prends un. La caméra. Du coup, je vais quand même relire la page du spectre parce que ça fait un bail que je l'ai pas vu celui-là. Les spectres ne touchent pas. Est-ce que j'aime le sol? On ne peut pas par conséquent pas voir. On ne peut par conséquent
pas voir leurs traces de pas. Faiblesse, les spectres ont une réaction toxique au sel. Marche dans le sel. Il a marché. Bah, il va pas attaquer pendant un bon moment. Marche dans le sel. Marche dans le sel, chien. Tu ne peux pas d'ouvrir ça. Il a marché. Il a éteint la bougie aussi. Pour voir ses traces de pas, faut utiliser une lampe UV. Parce que c'est un spectre, il touche presque jamais le sol, je vous rappelle. Du coup, vous pouvez pas prendre photo de ses traces de pas. Ouais, parce que c'est un spectre, il peut pas, vous pouvez pas prendre en photo ses traces de pas. Par contre, vous pouvez mettre un crucifix par contre. Vu qu'il attaquera le crucifix, là par contre, vous pourrez avoir ses actions. Après, c'est genre 5$ la photo, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Est-ce que c'est une réaction? Parce qu'en fait, il marche dans du sel, mais vu que c'est un spectre, il vole par-dessus. Du coup, vous n'aurez pas ses traces de pas. Du coup, on s'en fout des traces de pas. C'est juste un peu d'argent, c'est tout. Non, parce qu'en fait, là la photo, c'est marqué... Oh, ouais, il marche partout. Parce que je sais pas si ça a marqué what the fuck, mais regarde les deux photos du bas. Ouais, c'est vrai, ça peut fonctionner. On a mis un peu trop de sel. Vous avez scellé la zone? Ouais, j'ai mis du sel partout. Il a marché beaucoup de fois. Va voir tout le sel. J'ai mis des cams. Ouais. On va voir si. Il y en a qu'une, elle est pas très bien. Enfin, on voit pas très bien. Ouais, il a mis. Un encens. Mais vous avez fait une partie de steak frites ou quoi là? C'est quoi ça? C'est une banane d'avet, c'est bien salé. Ah bah ouais. J'ai passé un peu de sel. Ouais, il ouais. Comment on pourrait faire une apparition? Pour l'apparition, ouais. J'en ai aucune idée, gros. C'est quoi l'objet maudit? Carte. Vous avez trouvé l'os? Oui, j'ai trouvé l'os. Bah attends, je vais essayer d'avoir je vais essayer d'avoir la carte d'aide pour l'apparition. Eddie, fais gaffe à toi. Ça a fonctionné. Attaque. Non, c'est un événement. Apparition. Oh putain, j'ai cru qu'il m'attaquait, j'ai jeté l'ensemble. C'est bon, grâce à ça, on a réussi. J'ai cru que j'allais mourir. Attendez, vous me croyez quand j'ai dit que j'ai pas encore tiré 4? Non. D'accord. Je crois qu'il a attaqué la personne qui a trop scellé la zone. Et c'était moi. Tu l'as sali. Il a sali la zone. J'ai mis deux trucs de sel. Bah du coup, spectre, hein. On a fait toute l'émission. Bah ouais, c'est fini, hein. Allez, let's go. C'est parti, hein. Express. Ouais, moi, je repose tout le stuff que j'ai pris. Après, wow, comment j'ai flippé, j'ai cru que j'étais mort parce qu'il a disparu dès qu'il m'a collé. J'ai jeté l'encens. J'ai entendu quand il a paniqué, Discord, il a paniqué en même temps. Je parlais anglais, mais sur Discord. J'ai cassé le système. Bah voilà, sans difficulté, hein. $120. Merci pour le spoil. Rien, gros. Hein? Oui, mais m'a dit merci pour le spoil parce que j'ai dit $120. Pas compris, mais ok. Bon, en tout cas, passez une bonne fin de journée à vous tous. Pourquoi tu vas partir? Ouais, oui, je pars. Ouais, j'ai mangé. Ouais, je vais manger aussi. Ah, t'es fait qu'on reste? Non, moi aussi, je vais manger. Oh putain. Ouais, j'ai faim, moi. Bye, hein. Vas-y.
A plus. A plus. A plus. Attends, je démute. Ah, ouais, je t'ai démuté. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. J'ai mal cliqué sur le bouton. Je remercie Zirox2, Alicidra et Gatring, Another TV Viewer, Discord for Streamer, Discord Streamer Community, Drapsnap, Kamenon, Lunarai, Lurks, Mehdi et Nazeli d'avoir regardé le live. Je remercie Illipolir de savoir follow pendant que je n'ai pas en live et Mehdi sur Twitch de savoir follow et de jouer avec nous. Ok. Prochain live, c'est demain. On va jouer à Overwatch. Je vais train un dégât. Les sera dévoilé sur Twitter. Et toi, c'est quoi déjà? Un tank. Du coup, moi, je serai The Dégâts et WTF sera le tank. À plus pour notre prochain live. Yolo!